Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première causerie officielle post-pandémie de Pantoute. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. La rencontre aujourd'hui se déroule dans le cadre d'une série d'événements programmés par la maison d'édition Héliotrope pour fêter leurs 15 ans. Donc, un peu partout au Québec, ils ont programmé 7 conférences autour d'une question fondamentale: la littérature, à quoi ça sert? Il y a eu déjà des conférences de fait depuis, c'était entamé en octobre, là, il y a eu à rien, à comprendre, à broyer du noir, etc. Et aujourd'hui, le thème, c'est à résister. À noter que ce sont des points d'interrogation derrière chaque proposition, donc tout est ouvert. Je tiens à remercier Florence Noyer, la directrice de la maison, ainsi que Olga Duhamel, la directrice littéraire. On a aujourd'hui trois autrices et auteurs de la maison d'édition Héliotrope. Au centre, Patrice Lessard. Patrice, qui a déjà écrit quelques romans, une trilogie dont Le sermon au poisson, Nina et l'enterrement de la sardine. Récemment, il a publié Cinéma Royal. Il y a eu un premier roman noir qui s'appelait Excellence Poulet. Et là, on va se concentrer davantage sur La danse de l'ours, qui est le deuxième roman noir de Patrice. Merci d'être ici. Marie-Ève Sévigny, que je connais un petit peu parce que ancienne collègue et ancienne libraire. Donc, Marie-Ève, est un petit peu partout, titulaire de la Bourse Vanier, fait un doctorat sur dis-moi si je me trompe, là, sur la représentation de la ville de Québec dans la littérature. Bon, ben, mes notes étaient correctes. Te créer et dirige la promenade des écrivains, parcours littéraire dans la ville de Québec. Tu avais fait paraître un premier recueil de nouvelles en 2012 qui s'appelait Intimité et autres objets fragiles. Tu as participé à des collectifs, dont un plus récent qui s'appelle Pont. Et là, aujourd'hui, on va s'attarder davantage à ton premier roman, qui est un roman noir aussi, qui s'appelle. Voyons, j'ai un blanc. Attends, ça fait pas juste 3 semaines que je suis dedans. Santerre, ben merci, bienvenue Marie-Ève. Ensuite, Emmanuel Caron, bienvenue. Emmanuel, qui a fait paraître plusieurs ouvrages jeunesse, dont un qui s'appelle Gladys et Nova, qui avait été finaliste pour le prix du gouverneur général. Gladys, c'est Vova. Vova, ben oui, c'est moi qui ai du mal à me relire, en fait. Bon. C'est un nom de famille, c'est. Vova, ça existe? Oui, Vova, c'est le diminutif d'un nom russe, Ivan. OK, d'accord. Donc, Gladys et Vova. Un garçon, en fait. OK. Non, mais c'est tout après. Tu as fait paraître cette année, début de l'année, une pièce de théâtre, Le chant de l'infirmière. Il y avait eu un premier roman, Tous les âges di te me diront bienheureuse, chez Grasset en 2017. Et nous allons nous attarder davantage Les lois du jour et de la nuit, paru en 2020 chez Héliotope, évidemment. Alors, tout d'abord, la résistance ou résister en littérature, j'ai décliné ça en 3 points. La résistance ou résister pour un auteur, résister à l'intérieur du récit pour les personnages et pour le lecteur. Donc, question super facile au départ. Pour un auteur, c'est quoi résister et à quoi on résiste en littérature? Qui ose se lancer? Bon, moi, je vais me lancer, mais je pense que Patrice, il va tout de suite manger. Résister, moi, j'ai été surprise, en fait, d'être considérée comme une résistante pour être sur ce panel, parce que, justement, je ne me sens pas super résistante. J'ai posé la question de, mais qu'est-ce que ça veut dire résister pour moi?
J'avais le sentiment que la résistance politique, par exemple, dans le roman, il y a une dimension politique, sociale, historique, etc., mais que je ne prends pas en termes de résistance, en fait. Il y a une espèce d'entrée dans l'histoire, et mes personnages ne résistent pas, et moi, je ne résiste pas, ou je pose pas de point de vue sur la question. Je n'ai pas, j'ai pas une idée à défendre, je ne démontre rien, en fait, dans le roman par rapport à l'histoire. En revanche, en me posant la question, et puis en demandant autour de moi, mais alors je résiste à quoi, moi, à ton avis en fait, les gens m'ont dit, mais tu résistes dans une forme de littérature, peut-être, un petit peu, à contre-courant de ce qui se fait actuellement. C'est la réponse qu'on m'a donnée. Et ça m'a fait réfléchir parce que moi, j'ai l'impression d'être complètement dans le courant, dans le flux. Enfin, je ne voyais pas où était le problème, mais visiblement, je fais quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on fait. Et même là, donc, je ne résiste pas consciemment. Je résiste inconsciemment, visiblement. Ça veut dire une recherche de la phrase, une recherche de la... dans mon écriture, je pense que je pars de la poésie, peut-être, mes phrases résistent par leur noyau poétique. J'y vais très vite, là. On plonge tout de suite dans les trucs comme ça. Et peut-être que c'est ça, cette espèce de volonté de faire du poème à l'intérieur du roman. Peut-être que c'est ça, ma résistance, parce que c'est un rapport au temps, parce que c'est un rapport aux mots, au langage, et peut-être que c'est une piste. Voilà. Mais tu résistes comment, toi ? C'est à moi, là. En fait, j'ai l'impression que ce que tu dis, ça va à peu près dans le sens de ce que je fais moi aussi, même si ça se traduit pas du tout de la même manière, ne serait-ce que sur le plan stylistique. Moi, je suis un peu baveux, fait que quand les gens m'embêtent, j'ai tendance à vouloir les embêter après, moi aussi. Fait que peut-être qu'il y a une résistance là à ce qui... peut-être à quelque chose qui s'établit dans le discours dominant. Notamment les connards qui nous dirigent généralement. Marie-Ève, tout à l'heure, quand je suis arrivé, elle me dit, parce que mon roman, La danse de l'ourse, ça se passe dans mon village natal de Louisville, puis la famille de Marie-Ève vient de Louisville, elle aussi, ce qui est assez curieux. Puis elle me dit, est-ce que ça a eu du retentissement là-bas, tout ça? Je dis, non. Parce que moi, un truc auquel je résiste en priorité, c'est au succès, là, comme auteur. fait qu'à Louisville, non, ça n'a pas vraiment eu de retentissement et tout. Puis je lui disais, tu sais, j'ai dit beaucoup de mal du maire de Louisville, qui est un épais absolu. Et puis je pense qu'il s'en est jamais rendu compte. Je pense qu'il n'a jamais lu un livre non plus. Fait que ça, c'est peut-être... Tu sais, t'as un peu divisé ça en deux, hein, le côté politique puis le côté peut-être un peu plus, justement, purement littéraire et stylistique. Je sais pas, je serais pas nécessairement, ou plutôt j'ai pas nécessairement envie de parler du style tant que ça, mais je pense qu'effectivement, il y a comme un truc de un besoin, puis il s'agit peut-être de résister. Moi, un truc que je dis souvent à propos de la littérature, c'est que, selon moi, en littérature, il y a deux, comme n'importe quelle généralisation, on pourrait y trouver des exceptions, mais il y a deux grands types de plaisir. Il y a le plaisir de la reconnaissance, d'abord. Hein, on consomme des produits culturels parce qu'on s'y reconnaît. Hein, on regarde un film d'action américain, on veut du sang, des poursuites en char, des balles. Puis si on ne retrouve pas ces ingrédients-là dans le film, évidemment, on n'est pas content, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Ça, pour moi, puis je suis le premier à consommer tout un paquet de ces films-là, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est l'autre type de plaisir, qui est le plaisir de la déroute. Donc, celui qui déroute le lecteur, mais qui fait en sorte également que moi-même, quand j'écris, je suis dérouté par ce que je fais, puis j'essaye de trouver les solutions aux problèmes que je pose moi-même dans le cadre de mon travail. Fait que c'est sûr que là, il y a une forme de résistance, bêtement, de résistance aux clichés, de résistance à ce qui est attendu de nous comme auteurs et tout ça. Merci.
Moi aussi, je pourrais résister à Louisville, là. Mais bon, comme tu l'as déjà fait, et dans deux bons romans, d'ailleurs, je vais m'esquiver. Moi, en fait, la question de la résistance, ça s'est posé depuis l'enfance avec le rapport au réel. Et je pense que si le monde et la vie étaient complètes et parfaites, j'aurais pas besoin ni de lire ni d'écrire. Et pour reprendre un peu ce que tu disais, Patrice, par rapport à l'écriture, c'est qu'on se fait prendre par surprise, effectivement. Et à défaut de pouvoir compléter le monde, ben on apporte la réponse qui ne sera peut-être pas entendue, mais on n'écrit pas pour être entendu. On écrit, en tout cas, j'écris, moi, pour, à défaut d'être bien dans le monde réel, ben d'être bien au moment où j'écris le monde imaginaire. Et la proposition qui m'avait été faite avec Santerre, c'était, en fait, je trouve ça très drôle que Héliotrope me pose avec vous la question « Pourquoi écrire résister? » Parce que dans le fond, c'est un peu à cause d'eux que j'ai écrit Santerre, à cause d'elle, en fait, de Olga puis Florence, parce que la proposition qui était faite au départ, c'était d'écrire un roman, de cartographier le Québec, hein, qui c'était le projet d'Héliotrope Noir, et puis écrire un roman dans le territoire, mais avec un discours, avoir quelque chose à dire. Moi, j'ai jamais rien à dire. Tout le monde me connaît, j'ai jamais rien à dire. Et quitte à avoir un discours, quitte à m'interroger sur le territoire, mais il me semble qu'en ce moment, particulièrement au Québec, c'est la faille qu'on a. On est en conflit perpétuel avec la façon dont les contes ce monde dirigent notre territoire, se l'approprient, tout ça, la dépossession. Alors là, tout d'un coup, j'ai juste eu à commencer à réfléchir. Et là, il y avait une vanne qui était ouverte. Alors, je ne peux pas dire que ça a été une résistance. Au contraire, ça a été comme une vanne qui s'est ouverte, c'est vraiment ça, qui m'a été offerte par Héliotrope dans ce projet-là qui n'était absolument pas prévu et qui m'a aidée. Alors, dans le projet de Santerre, j'ai, à ce moment-là, le problème de l'oléoduc NRJS venait d'être réglé. En fait, au moment du début de l'écriture, il n'était pas encore réglé. Alors moi, j'ai dit, ben qu'est-ce que ça serait ce monde-là? J'ai pris vraiment dans le réel des vraies statistiques des oléoducs aux États-Unis. J'ai pris Carapelli, c'était la rue de Carapelli, c'était la rue de Jean Charest où il habite dans Westmount. C'était le cynisme du Parti libéral et tout ça. Et puis, créer un personnage comme le personnage de Gabrielle, qui est un personnage en résistance, eh bien, ça m'a fait du bien parce qu'elle, elle a fait des choses dans le roman que j'aurais voulu faire dans le réel, mais que je vous en parlerai en prison aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, là où le surmoi dans le réel vient intervenir, eh bien, moi, le ça pouvait se laisser aller dans la fiction et je remercie Héliotrope de m'avoir évité la prison. Voilà. Ah oui, bien sûr. En fait, Marie-Ève, tu me fais penser à quelque chose à propos justement de l'invitation d'Héliotrope à écrire Santerre, puis dans mon cas, à écrire Excellence Poulet, puis il y avait quelque chose peut-être qui tenait un tout petit peu de la résistance, même si c'était du roman noir, puis le roman noir, tu sais, c'est un genre qui est peut-être plus souvent conformiste que résistant, je dirais. Mais c'était que... Pardon? Effectivement, qui peut être très politique, mais là, en l'occurrence, moi, ce qui m'avait séduit dans la proposition, c'était, parce que moi non plus, hein, j'avais pas prévu aller là du tout, puis finalement, j'en ai écrit un autre et demi après, mais le demi étant pas un vrai noir, mais en tout cas, bref, peu importe. C'était de dire justement, on veut que tu fasses du polar, mais que tu fasses du polar à ta manière, puis pas du polar qui serait... nécessairement, essentiellement conforme au code du genre. Puis je pense que si on m'avait demandé d'être conforme au code du genre, ça aurait été extrêmement difficile pour moi. Je l'aurais fait par amour pour mes éditrices, mais ça aurait probablement donné de médiocres résultats. C'est peut-être que ça a donné des médiocres résultats aussi quand même, mais bon. Pas du besoin tout. D'amour. comme vous... Quand j'entendais résister au départ, j'ai tout de suite pensé à résistance en termes de résistance sociale, résistance politique. Mais cette résistance-là, pour un personnage à l'intérieur d'un roman,
j'ai l'impression que ça doit venir d'un cheminement personnel. Donc, ça doit être une prise de conscience avant tout et ce cheminement-là, plus personnel, où ça nécessitait justement de résister à certaines choses, mais de s'abandonner à d'autres choses. C'est peut-être chez Emmanuel, c'est là que je l'ai retrouvé davantage, j'ai l'impression, cette résistance-là. Du personnage. Du personnage. Chez Marguerite, par exemple. Oui. Et tout au long, dès le départ, tout au long, en prenant en compte là, cette idée de résistance politique et sociale, il y avait une chanson de Julien Clerc que j'avais en tête tout le long. Mon roman t'a fait penser à Julien Clerc? Ben, pas le thème en général. Le thème. Puis je trouve que cette chanson-là vient concilier l'aspect politique et l'aspect plus personnel de ce qu'on pourrait... Puis j'avais envie de vous la partager parce que c'est une très belle chanson, puis tout. C'est « À quoi sert une chanson? » Ça s'appelle « Utile ». Il dit « À quoi sert une chanson si elle est désarmée? » me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Ah oui. « Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. » Moi, je veux être utile à vivre et à rêver. Alors, je trouve qu'il vient concilier deux visions de ce que pourrait considérer comme étant de la résistance. Vive Julien Clerc. Voilà. Il a tout compris. Comment? Il a tout compris. Ben oui, mais en tout cas, peut-être pas tout, mais ça. Non, mais tu parlais de Marguerite. Effectivement, je pense que c'est par elle que je suis ici, en fait. Hein. C'est parce que c'est un personnage de résistante. Hein. Ben oui. Oui, tout à fait. Et ça, pour le coup, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, le personnage de Marguerite, en fait, pour resituer un petit peu, elle est dans les Landes, on est en 53 à peu près. Son mari est parti à faire la guerre, une guerre coloniale épouvantable à Dien Bien Phu et en Indochine. Elle est restée avec son enfant. Elle n'a plus de ressources, donc elle est obligée de retourner chez sa mère. Et c'est ça, en fait, c'est la résistance aux forces obscures, terribles, qui sont celles de la famille, en fait. Et effectivement, on voit sa trajectoire et à quel point elle a résisté de toute son âme, de toute sa mauvaise volonté profonde de ne pas rentrer dans le système familial qu'on lui proposait et qui était et dans lequel en fait elle était un peu le fusible, en tout cas la personne, j'arrête pas de faire des petits bruits, non ça va, dans lequel elle était la mal aimée, en fait, et elle résiste à ce rôle, en fait, et le rôle qu'elle va endosser, c'est celui de faire éclater la vérité. Voilà, donc effectivement c'est un personnage de résistance de ce sens-là, et résistance presque au sens physique. Vous savez, comme les résistances électriques, là, dans le sens... vraiment, elle prend l'électricité, elle prend la charge, elle prend ça, et elle permet au courant de passer différemment, enfin, elle transforme quelque chose. C'est un personnage qui est résistance à tous les points de vue, en fait. Et à un système, et par sa tension intérieure, et par sa capacité à transformer le réel, ou en tout cas à y résister, à ne pas tomber dans les pièges qu'on lui propose. Et alors, elle se retrouve dans les Landes, dans le labyrinthe qu'a créé sa mère, hein, labyrinthe symbolique, hein, évidemment, mais celui de la forêt, celui de la maison, celui d'une forme de sorcellerie aussi, hein, puisque c'est un des thèmes très importants, ah oui, très très anxiogène, puisqu'elle se retrouve dans la prison, dans le labyrinthe de l'enfance, et des secrets, et de la famille, et de la malveillance. Et elle est étonnante pour ça, parce qu'elle arrive à traverser des situations même qui en abattraient plus d'un, on va dire. Parce qu'au fond, elle est guidée par l'idée du bonheur. Et aussi, enfin, du bonheur, ça a l'air cucu comme ça, mais l'idée de vivre une vie bonne, je crois. Mes personnages ont envie de vivre une vie bonne, ils veulent savoir, au-delà de ce que tu disais, d'être des consommateurs, etc., on se pose tous cette question-là de, au final, ça va être quoi le bilan ? Qu'est-ce qui va faire qu'on aura résisté, qu'on aura laissé notre marque ? Parce que résister, c'est aussi, c'est ça, laisser sa marque. Et qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie ? Et elle ne se pose pas ces questions-là frontalement, mais elle fait ça.
pour arriver à quelque chose qui va être une autre vie ou débarrasser des secrets, débarrasser une autre vie où, pour être heureuse, y compris sans son mari d'ailleurs, parce que finalement il ne reviendra pas forcément, où elle va pouvoir s'assumer, où elle va être transformée par, par l'épreuve de résistance. Voilà, je... Oui, mais c'est parfait. Il y a un moment dans le livre où, lorsqu'elle retourne dans la maison de sa mère et qu'elle entend les cris à l'étage, oui. Il y a une phrase, elle dit « Un vertige la poussait vers le sol, l'appelait à se coucher sur les tapis moelleux de sa mère pour y attendre en dormant la fin de l'horreur. C'est ce qu'elle aurait fait, sans doute, avant, oui. Mais à présent, elle résistait. » Voilà, oui, oui. Ah oui, j'ai employé ce terme. Hein. Ben oui, voilà. Non, mais je suis dedans, hein, finalement. J'ai douté, mais j'y suis. Hein. Mon personnage résiste, bien sûr, parce qu'on a tous cette tendance à face à la... Enfin, je ne sais plus, c'était Jean-Paul Sartre, je ne sais plus qui disait que notre premier réflexe, c'est la fuite. Hein. Il y a la Laborie aussi. Hein, mais, mm-hmm. Et elle a ce réflexe de, OK, on va s'endormir, on ne va plus voir ce qui se passe. On va occulter, en fait. Et en même temps, bah, elle a cette pulsion de dire non, non. C'est cette capacité à dire non qui va la mener à cette nouvelle vie à la fin, en fait, je pense. Donc c'est cette résistance à un moment donné pour dire, bah, pour mon enfant, pour ma vie à moi, je vais pouvoir dire non, je vais y arriver, en fait. Ouais. Et se lever de ce tapis moelleux, ouais. qui n'aurait rimé à rien, hein, on est d'accord. Se coucher sur le tapis, de toute façon, ce n'était pas une solution. Hein, il fallait se lever. Elle n'a pas de... Voilà. Ben, merci beaucoup. Il y a son mari aussi qui résiste d'une autre façon, mais on y reviendra. D'accord. Je laisse la parole un petit peu. Oui, on va faire un petit tour. Ouais. Ben, Marie-Ève, dans Santerre, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais ça m'a frappé à quel point j'étais capable de faire des liens avec la réalité. Avec c'est ça, tu te parlais d'énergie est tout à l'heure, qui est représentée peut-être par Cliff Line Energy, ou en tout cas, peut-être, à un moment donné, le livre de Gabriel qui est censuré, ben, c'est sûr qu'on pense au livre noir d'Alain Deneau qui a été censuré par les minières dans son cas. Dans le cas de Gabriel, c'est les pétrolières, mais... dès le départ, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans ton livre, c'est que c'est ta dédicace. Ah, oui, c'est vrai. Avant d'entrer dans le livre même, tu dis « À la mémoire des 47 victimes de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, avec une pensée fraternelle pour les survivants de cette ville anéantie, puissent-ils n'avoir pas péri et souffert pour rien, puissions-nous ne jamais les oublier? » J'étais curieux de t'entendre sur le lien que tu faisais avec cette catastrophe-là et la malgérance des entreprises. Ben, c'était un contexte qui était, bon, au demeurant, le problème de Mégantic n'est pas réglé. Là. La voie ferrée n'est toujours pas déplacée, alors que c'était soi-disant au dire des politiques qui se sont bousculés dès le lendemain dans la ville, on allait régler ça avant hier. Je pense que la tragédie de Mégantic, l'horreur de Mégantic, moi en tout cas, je l'ai vraiment vécu comme un 11 septembre quand c'est arrivé. Puis bon, moi, ma famille du côté des Sévigny, du côté des Trudeau, ça vient de Louisville, mais ma famille du côté des Sévigny vient de Mégantic. Puis, quand j'ai ouvert la télé, tu sais, j'ai comme eu l'impression de, bien, c'était la fin du monde, mais c'était quand même une métaphore incroyable d'où nous mène finalement le pétrole, l'exploitation du pétrole. Et... tu sais, la question du pétrole, c'est pas seulement... c'est une horreur environnementale, mais c'est une horreur démocratique dans plusieurs pays. C'est une horreur politique. Ça vient, on dirait... Je trouve ça très ironique, d'ailleurs, que ça soit noir, parce que c'est la couleur que ça mérite. Tu sais, ça serait un scandale si c'était rose, du pétrole.
Et on ferait des romans roses avec ça. Mais, tu sais, alors, pour moi, quand c'est arrivé, ben et là, on était en plein dans Mégantic, il y avait cette possibilité-là de faire passer Énergie Est qui allait pas. Et là, nous, dans la région de Québec, concrètement, le gouvernement Charest promettait de le faire passer dans Saint-Augustin, dans des battures qui sont protégées mais par le gouvernement québécois, mais qu'on allait laisser tomber le BAP. Le BAP avait dit que ça n'avait pas d'allure, alors oh, mais c'est pas grave le BAP. Et puis, alors c'était tous les intérêts, puis les intérêts politiques et financiers de la haute finance. Et puis là, en ce moment, avec la COP26, on est en train de se rendre compte que, on est en train encore de le dire avec Greta, tu sais, que tout ça, c'est du blabla et que dans le fond, ils sont là à tous défiler avec les grands financiers qui sont à discuter sur comment ils vont se répartir le monde et on ose parler de démocratie. Alors, quand est arrivée l'affaire de Mégantic, moi, j'ai eu comme... c'est tellement l'incarné, là. Et puis, pendant ce temps-là, Jean Charest continuait à dire qu'il n'y avait pas de problème et puis qu'il fallait être réaliste. Et puis, avec un cynisme, je pense qu'il y avait ça aussi qui me levait le cœur, c'était le cynisme de cette époque-là. Je ne pense pas que notre époque soit moins cynique, mais c'était dit autrement, politiquement parlant, au Québec. Et puis, c'est ça, il y avait tout ça qui marinait, je dirais. Puis je pense que quand tu es dans les mots, je me souviens d'un très beau texte de Élise Turcotte qu'elle avait publié dans le Devoir ou dans la presse à une adresse à Jean Charest où est-ce qu'elle lui avait dit « Arrêtez de nous mentir, arrêtez vos mots. Moi, je suis une écrivaine, ça me fait mal la manière que vous parlez, la manière que vous vous adressez au peuple et puis tout ça. » Et puis c'était une page d'anthologie, son texte, Élise Turcotte. Puis alors, ressentir l'horreur de Mégantic, ça, c'était l'aspect physique, délétère, des vies qui meurent. Même les survivants, leurs vies ont été détruites à jamais, marquées à jamais, un village. Mais tout le discours politique qui est là en arrière, le néolibéralisme, etc., moi, ça me levait le cœur. Et tu vois, le territoire de la baie de Beauport, où est-ce que se passe mon roman, bien, il a été menacé par Rabaska en premier, à Beaumont. Il a été menacé par Énergie Est. Puis là, il a été menacé par Laurentia ici à Québec, le port de Québec, qui voulait faire un super... Il voulait paver la baie de Beauport, toi, c'était magnifique. Et puis, il a été menacé, là, en ce moment, il est menacé par le troisième lien. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu dis... Dans le fond, ce néolibéralisme-là change de motif, change son idée magique, il sort le nouveau lapin du chapeau, qui est toujours le même maudit lapin, une espèce de lapin qui est avec des grandes dents puis qui veut manger, tu sais, il veut manger le territoire. C'est un lapin rose, tu penses? Fait que, bref, ça m'a vraiment révoltée et malheureusement, tu vois comme l'écriture de ce roman-là m'a pas calmée. Ben tant mieux! tant mieux! c'est un porte-voix qu'il faut. ben merci. Patrice, dans ton roman La danse de l'ours, il est question de Dave, Blanche et Patrick qui ont une espèce de plan pour dévaliser l'espèce de bar hôtel du coin qui appartient à la gang de mafieux des environs. Et si Patrick le fait pour un peu pour l'argent puis pour Blanche parce que bon il est amoureux d'elle. Dave a des motifs un peu peut-être différents, puis je trouve ça super intéressant parce que tu parles, il est question beaucoup des magouas. Est-ce que tu veux nous parler de ce que sont les magouas? Parce qu'ils sont quand même au cœur du roman, là. Ben, en fait, peut-être que je vais essayer d'en parler dans une optique un peu personnelle par rapport à mon expérience, parce que je pense que ça prend tout son sens là. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Moi, quand j'étais petit, en fait, pour tout dire, à Louisville, magua, c'est une insulte, ni plus ni moins. Donc, si quelqu'un te coupe en char, tu le traites d'ostie magua. Quand on était petit, dans le cours d'école, quand il y avait des enfants pauvres, on disait que c'était des magua. Donc là, c'était un synonyme de crotté, de pas propre, de... On savait pas
On n'avait aucune idée c'était quoi. On disait qu'il venait de la petite mission qui est un rang à la limite de qui longe la rivière du Loup à la limite de Yamachiche et Louisville. Mais bon, moi, la petite mission, je ne savais pas c'était quoi, j'avais jamais mis les pieds là et tout. Puis là, à un moment donné, par le plus grand des hasards, j'apprends que, en fait, c'est des Amérindiens. Donc, c'est des Algonquins. Magua, en fait, ça veut dire Makua. En Algonquin, ça veut dire ours. Donc, les Magua, c'est le clan de l'ours. Puis, si ça s'appelle la petite mission, ben, c'est parce que c'était effectivement une mission. Hein? C'est-à-dire qu'ils avaient construit une église puis une école, donc à quelques kilomètres au nord du village de Yamachiche, pour les évangéliser, puis leur voler leur nom, puis tout ça. Parce que là, évidemment, quand ils faisaient baptiser leurs enfants ou qu'ils se mariaient, ils étaient obligés de prendre un nom francophone. Ça fait qu'ils étaient... Ils ont à peu près tous les mêmes 7-8 noms. Ils s'appellent Hubert, Blanchette, Guillemette... j'en oublie, là, évidemment, mais ils ont à peu près tous les mêmes noms. Et puis, c'est des gens qui... qui travaillaient dans les moulins à scie. Donc, les moulins à scie allaient s'établir là où ils étaient. Jacques Ferron, il parle de ça, du phénomène des petits villages, c'est-à-dire qu'il dit, dans tous les villages du Québec, ben, peut-être pas tous les villages du Québec, mais dans plusieurs villages du Québec, il y avait le village où il y avait les notables, le curé, l'avocat, le maire, machin, machin. Puis à proximité de là, il y a un village de sous-prolétaires. Exploités, à qui on refuse de faire véritablement partie de la communauté, finalement. Puis là, ben, en l'occurrence, vous ne serez certainement pas surpris d'apprendre que c'était des Indiens. Oui, et Ferron venait de Louisville, oui, c'est ça. Alors, Ferron, il en parle des Magois. Il dit notamment dans un texte absolument magnifique qui s'appelle « La créance » que l'accoucheuse de sa mère, quand il raconte sa naissance, en fait, puis que l'accoucheuse de sa mère, c'était une Magoise. Et donc, quand j'ai appris ça, comme je le disais tout à l'heure, par hasard, ben là, je me suis mis un peu à m'informer. J'ai eu la chance de tomber encore une fois par hasard sur un type qui s'appelle Steve Blanchette, qui a grandi à la petite mission, et puis qui, à l'époque, avait un peu sa job de rêve parce qu'il travaillait comme espèce de guide de pêche sur une pourvoirie qui était justement sur le territoire de chasse ancestrale de sa nation. Puis d'ailleurs, soit dit en passant, ils ne sont pas reconnus comme nation amérindienne. Puis une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas reconnus comme nation amérindienne, c'est qu'ils ont toujours eu peur de se faire chipper dans le Nord s'ils étaient reconnus. Fait qu'ils se sont comme un peu cachés. Mais ils ont toujours continué de vivre un peu à l'amérindienne, là, c'est-à-dire en n'ayant pas vraiment d'intérêt pour la notion de propriété. Puis c'est pour ça donc qu'ils étaient considérés un peu par tout le monde à Louisville comme des crottés, puis des ci, puis des ça, parce que les autres, ils s'en foutaient de comment ils s'habillaient, puis de quoi leur maison avait l'air et tout ça. Ils chassaient, ils pêchaient, ils se faisaient écœurer par la police. Mon ami me racontait une de leurs chasses ancestrales, c'est de chasser la grenouille avec une espèce de maillotche. Là, tu vois la grenouille dans le champ, pas que tu l'assommes. Puis, ben, il y a un gars, il n'avait pas son permis de chasse à la grenouille, fait qu'il a pogné 350$ d'amende parce qu'il y avait 7 grenouilles dans sa besace. Puis, c'est des Indiens, fait qu'ils mangent, puis ils vont pas gaspiller. Bon, bref. Fait que je me rappelle plus en tout de c'était quoi la question. Oui, c'était ça, c'était quoi les Magua? Donc, les Magua, aujourd'hui, c'est ça. Là, Steve, il m'a fait rencontrer un autre type qui s'appelle Claude Hubert, qui, lui, a fait toute une recherche très, très extensive pour démontrer les ascendances algonquines de ces gens-là, donc qui les associe à la nation des Algonquins de Trois-Rivières, qui, elle, est reconnue. Les travaux de ce Claude Hubert-là ont beaucoup, beaucoup étonné Rémi Savard et Denis Delage, qui sont des grands spécialistes des questions autochtones au Québec, et puis qui ont fait comme, ben, d'où tu sors, toi, puis d'où vous sortez, vous autres, les Magua, puis ils sentaient que, tu sais, il y avait dans toute cette histoire-là une espèce de chaînon manquant, là, puis eux, ils arrivaient avec ce truc-là, cette espèce de... Fait qu'ils se sont répandus un peu partout... Puis ils restaient en communauté, notamment à La Pierre, à Trois-Rivières. Puis ils travaillaient, comme je le disais, dans les moulins. Fait que quand ils se sont sédentarisés, ils suivaient les parcours des moulins.
Puis quand le dernier moulin a fermé à Louisville, ben, il y en a beaucoup qui sont... Louisville et Yamachiche, il y en a beaucoup qui sont allés, qui ont suivi les papetières à Trois-Rivières et tout ça. Bref, je ne sais pas au juste pourquoi c'était, ils s'étaient comme impliqués là-dedans, mais c'est que c'est ça. Puis donc, les Magouas ont toujours été rejetés par la communauté. Pour vous donner un exemple, la mère de mon ami Steve, dans les années 60, quand l'autobus scolaire venait la chercher à la mission pour l'amener à l'école du village, c'était les Magouas dans le fond. Okay, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais hein? Fait que c'était les Magouas dans le fond de l'autobus. Puis quand il y avait une institutrice au village, ils se sentaient bien, mais quand, à la petite mission, ils se sentaient bien, mais quand il fallait qu'ils aillent étudier au village, là, ils se faisaient bardasser, Et puis la police faisait souvent des raids dans le village, fait que là, eux, ils se défendaient, ils s'assoyaient sur leur galerie avec des 12, puis ils tiraient sa police. C'était comme une espèce de petite enclave, puis que, bon, là, je m'étends un peu, mais qui a mené quand même, puis ça, c'est ça qui m'a donné l'idée aussi de la danse de l'ours, parce que mon ami Steve, il me parlait de membres de sa famille qui s'étaient adonnés à la criminalité, puis qui avaient fait des hold-up, puis des braquages et tout ça. Fait que c'est ça qui m'a donné l'idée d'aller vers ça dans le cadre de l'écriture du polar. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est que Dave, qui est lui-même un Magua, qui s'identifie comme tel, d'ailleurs, il dit « jeune adulte, Dave avait voulu comprendre qui étaient les Maguas, pourquoi on les haïssait et pourquoi il aimait lui, leur façon de vivre, leur vision du monde. Il s'était mis à valoriser son identité magoise, à la revendiquer, et alors on l'avait vu autrement. » Dave est un criminel, mais c'est un peu pour résister au système qui devient criminel. Puis je me demandais, puis je pense que c'est le propre du noir de rendre flou les frontières entre le bien et le mal, on les décale toujours un petit peu parce que la justice n'est plus nécessairement celle que les juges ont décrétée parce que cette justice-là obéit au système qui, lui, n'est pas juste nécessairement. Puis Dave, comme Gabriel dans ton roman, j'ai l'impression que ce sont des personnages qui se font justice eux-mêmes, quitte à assumer les conséquences de leurs gestes, même s'ils doivent faire de la prison, même s'ils doivent voir plus grave, je ne vais pas prendre de punch, mais ils sont prêts à aller jusque-là, justement, pour un système corrompu. Est-ce que c'est ça résister, c'est pour ça? Ben là déjà si je reviens sur l'extrait que tu as lu, là il y a comme une espèce de jusqu'au truc criminel, il y a comme une espèce de transposition quasi exacte de trucs que mon ami Steve m'a dit. T'sais, bon, là la portion criminelle, là, évidemment tout ça c'est inventé. Je ne veux surtout pas sous-entendre, évidemment, que Steve est un criminel d'une part, puis d'autre part, que les Magouas sont des criminels. Aujourd'hui, d'ailleurs, sur son passage, on les remarque plus vraiment. Ils se fondent dans le paysage, hein, et ils se sont fait assimiler, en quelque sorte. Là. Fait que c'est plus comme c'était il y a 50 ans, disons, où là, ils étaient vraiment clairement stigmatisés. Aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Même s'il y a encore des tu sais, ça reste dans la langue, l'insulte, puis tout ça. Je pense en fait qu'à propos des moi, je t'avoue franchement que, bon, OK, Dave, il dit, moi, je me suis fait écœurer toute ma vie, ma nation s'est fait écœurer pendant toute ma vie, puis, tu sais, dans le fond, je pense que c'est une raison qu'on utilise souvent pour expliquer la criminalité. Hein. Si tu viens d'un milieu où tu es stigmatisé constamment, où tu te fais taper sa tête constamment, bien évidemment, il y a plus de chances que tu te ramasses dans des situations de criminalité. Moi, je pense que ces trois personnages-là, ils ont pas l'éthique à la même place. Puis c'est peut-être là la zone grise, dans le fond. C'est-à-dire que je pense que le narrateur, il en a juste pas d'éthique. Lui, il s'en contre-sacre, puis tout ce qu'il veut, c'est faire de l'argent, puis tu sais, bon, puis il s'en fout. Mais tout est vu de son point de vue. Alors, évidemment, les motivations des autres, il a tendance à les ramener à sa propre éthique, donc à les voir eux aussi comme des profiteurs, alors qu'ils ont peut-être de meilleures raisons que lui d'agir comme ils agissent.
Mais évidemment, je peux même pas vous vendre de punch parce qu'il n'y en a pas. T'sais. Toi, depuis longtemps, j'ai envie de te poser. Ton personnage donc, de Steve emploie à plusieurs reprises... De Dave emploie à plusieurs reprises l'imparfait du subjonctif. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je me suis trompée. Mais explique-moi. Tu te méprends complètement. alors, ça, c'était un truc que j'avais envie de faire. Tu parlais de style. Mais ce n'est pas Dave, en fait. C'est le narrateur qui s'appelle Patrick, en l'occurrence, qui emploie l'imparfait du subjonctif. Mais moi mon... C'est ça. Ben oui, évidemment. Mais c'est ça. Alors, les trois, tous les personnages du roman, ils parlent en keb, puis même un keb un peu boboche, un peu tout croche. Donc, ils sacrent, ils sont très vulgaires et tout ça. Je suppose que j'ai été pêché ça. Et puis, puis bon, là, ça fait longtemps que je parle. Je vais essayer d'être un petit peu succinct, mais... Moi, je fais ça quand j'écris. Moi, j'aime ça employer le passé simple, imparfait du subjonctif. J'aime ça. Bon, je sais pas, ça me fait plaisir. Puis bon, je résiste à... En tout cas, j'essaie de pas trop résister au Becherel, finalement. Puis donc, au début, quand j'ai commencé à écrire le truc, ce que je voulais, c'était que le narrateur, qui dit « je », qui, dans les dialogues avec les autres personnages, parle en joual, moi, je voulais que dans sa narration... Il s'exprime avec le passé simple, l'imparfait du subjonctif, mais je voulais aussi que ça ne clash pas, tu sais, qu'on passe de l'un à l'autre de manière assez harmonieuse, si je puis dire. Oui, absolument, c'est très manifeste. Et c'est un truc, j'ai résisté à moi-même. Je vous parlais de Jacques Ferron tout à l'heure, puis là, j'imaginais que mon narrateur, il ne vient pas de Louisville, puis qu'il est allé vivre, qu'il a acheté une petite bicoque, puis je voulais mettre des petits bouts de Jacques Ferron. Je voulais qu'il parle de trucs qu'il y a dans Jacques Ferron, quand Ferron parle de Louisville. Et puis là, je me disais aussi, OK, comment je lui fais dire ça? Comment je fais ça? Parce que, donc, il faudrait qu'il connaisse Jacques Ferron, mais c'est un bum, c'est un gangster, ça marche pas. Je veux dire, contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire Enig Mankell, des policiers puis des gangsters qui écoutent du jazz puis qui lisent la littérature, ça n'existe pas vraiment. Ben, écoute, ça doit être un des rares, là, mais tu sais, je sais pas, moi, les quelques fois que j'ai croisé des policiers, puis a fortiori des gangsters, on n'était pas trop dans cette veine-là. Bref, fait que là, je me disais, ça marche pas. Là, après ça, je me suis dit, OK, mettons, il pourrait avoir acheté une vieille maison d'un vieux bonhomme qui était mort, puis le bonhomme a laissé sa bibliothèque, puis là, il y aurait du Jacques Ferron, puis là, j'étais comme, non, mon gangster, il aurait juste fait brûler les livres dans sa cour d'en arrière, tu sais. Fait que là, j'ai fait non, on oublie ça, tant pis pour Ferron. Puis là, j'ai laissé Ferron de côté. Puis là, ben, après ça, j'ai écrit un autre roman pour pouvoir plugger Ferron dans une affaire de Louisville. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, les imparfaits du subjonctif, c'était ça, c'était comme mon petit défi stylistique à la base. Donc, que le narrateur parle au passé simple avec l'imparfait du subjonctif, mais que même lui, quand il s'exprime à l'oral, ben là, on retombe dans une forme de plus proche de l'oralité, finalement. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est la question de la voix qui porte beaucoup aussi. C'est le cas dans ton roman qui est vraiment, finalement, qui trouve sa dynamique de récit. C'est presque à l'oralité, mais t'as à tout bout de champ l'imparfait du subjonctif. Et puis, moi, Santerre, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire au début. Ça levait pas parce que c'était Gabriel qui avait la voix au début. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de la laisser parler. Puis, finalement, ce qui a été l'illumination, et c'est vraiment pas pour te contredire, mais c'est un policier. En fait, quand j'ai fait ma recherche, j'ai jasé avec un policier de la SQ qui était tellement content de parler à un écrivain et avec qui j'ai eu de la difficulté à atteindre mon sujet parce qu'il me parlait tout de ses lectures. Hey, j'ai dit, t'as-tu lu ça? Fait qu'il était intarissable. Non, mais il faut pas. Oui, mais moi je tiens juste à dire que moi, j'ai appelé à la SQ à Louisville. Puis là, le gars, il m'a dit, le capitaine, tu sais, il m'a dit. Puis là, je dis, ouais, j'aimerais ça vous poser des questions, tu sais, sur la criminalité à Louisville, tout ça. Puis là, ouais. Il dit, pourquoi vous voulez savoir? Je dis, ben, c'est parce que je suis écrivain, j'essaie d'écrire un roman. Puis là, je sais pas.
Je ne me rappelle plus comment il a tourné ça, mais il a dit « Êtes-vous sûr que ce n'est pas parce que vous êtes un criminel et que vous voulez avoir des renseignements sur notre manière de travailler? » J'étais comme « Ok, je m'excuse, capitaine, ciao, bye. » Mais il y a aussi, enfin, excusez-moi, je ne vais pas vous couper, mais il y a aussi des figures d'écrivains criminels. Enfin, on a Genet, on a des gens qui ont été fascinés par le crime ou qui ont bâti, ou, je pensais à Lassner, un criminel bon, qui du 19e siècle, mais qui était un poète, qui était... On ne l'excuse pas pour ça, mais qui avait cette proximité, en fait, qui pensait que l'art, sa façon d'écrire ou l'écriture, était aussi un crime. Il y a quelque chose à creuser là-dedans. Ouais. Donc, ne rejette pas si vite. Je vais creuser en devenant moi-même criminel. Ouais. Non, mais en fait, oui, on peut toujours trouver des exceptions. Puis là, je ferme ma gueule, mais c'est clair que... T'sais, on s'entend que c'est quand même pas la norme, là, je pense. Mais en tout cas, ça peut... Écoute... En tout cas, on n'embarquera peut-être pas sur la technique policière au cégep, là, mais parce que en tout cas, il y en a plusieurs qui prennent plaisir à lire parmi les jeunes policiers. Et je pense que, ceci étant dit, c'est un espoir, parce que je n'ose imaginer une société où les policiers ne lisent pas. Je suis terrifiée face à cette idée-là. Il faut absolument que les policiers en technique policière qui sont en formation continuent à avoir des cours de philo, sinon on est cuit. Bon, alors pour revenir à la question de la voix, en fait, ce qui a été amusant, ce que je voulais dire, c'est que, puis bon, pour revenir un peu à ta question sur la résistance par la voix, c'est qu'à un moment donné, le personnage de chef, mon narrateur, lui, il est du côté de la loi. Et puis, il enquête sur quelque chose qui est sur des méfaits qui sont, selon lui, des altermondistes qui mettent des bombes, qui mettent du feu, qui utilisent la violence, et il est troublé. Et dans le fond, la question qui lui est posée, c'est ce qui est un peu la question de Robin des Bois face au shérif de Nottingham, c'est qu'est-ce qu'on fait quand nos autorités, quand ceux qui nous gouvernent sont eux-mêmes des truands? Alors, l'esprit, on est d'accord d'être, et c'est ça, c'est Gabriel qui lui répond ça, on est d'accord d'être dans une société de droit, mais c'est quand même assez incroyable que lors de la crise étudiante de 2012, un gars comme Jean Charest revendique la société de droit alors qu'il a envoyé des jeunes en prison, alors qu'il faisait 100 fois pire, à mon sens, ce qu'on appelait les bandits en cravate. Là, d'ailleurs, je suis peut-être en train de m'exposer à des poursuites de la part de Jean Charest, parce que là, il a multiplié ses poursuites là, x2 face à l'Assemblée nationale, alors ce qui prouve quand même jusqu'où il est capable d'aller. Mais bref, pour revenir à la question de la voix, de la morale, à un moment donné, Gabriel, le personnage, dit « C'est dommage qu'on mette plus les ministres dans des coffres de chars. » Et j'ai une amie qui a été vraiment bouleversée par cette phrase-là, puis qui m'a écrit, puis elle a dit « Écoute, je suis bouleversée, t'appelles la violence, t'appelles la... » Tout ça. Puis là, je disais « Oui, mais ça, c'est le noir qui permet... Non, mais tu peux pas te permettre de faire ça. » Puis elle, ce qui la troublait, c'est que finalement, chef se souvenait de cette phrase-là, puis elle l'obsédait. Elle a dit « C'est un représentant de la loi qui s'approprie cette phrase-là, qu'on met plus les ministres. » Puis j'ai dit « Oui, mais c'est ce que nous permet le noir aussi, c'est-à-dire que d'aller chercher toutes les failles, quand tu parlais, Emmanuel, de zone grise, là, toutes les failles de contradiction qu'un personnage, que le mal peut avoir, tu sais. Et puis... si je rebondis dans ton univers à toi, quand tu as le personnage même de la mère qui est tellement sadique à bien des égards par rapport à sa fille, parfois en tant que lecteur, on se retrouvait à dire mais pauvre elle, malgré tout là, ce qui lui arrivait, tu sais. Alors en tant que lecteur, on est comme c'est comme une espèce de squash, là, on rebondit toujours parce qu'on dans fait plein... pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Il faut que les personnages soient complètement mais on peut pas à la juste fois la blanc lire, et noir. Non, non, c'est impossible de juste la lire. C'est vrai. Emmanuel, dans ton roman est divisé en deux parties. Oui. Dans la première partie, on assiste à l'histoire de Marguerite et de son fils et de sa mère. Bon. Et dans la deuxième partie, on est plus du côté de son mari. Oui. Qui est à la guerre en Indochine. Ouais. C'est une partie plus courte.
Mais lui, il résiste pour sa vie. Oui, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, de réalisme, là, Je reviens un petit peu sur les conditions. Oui. Et là encore, indépendamment de la guerre en question. C'est-à-dire, j'avais pas de point. Enfin, c'est une guerre coloniale, donc on peut pas la défendre du tout. Hein. C'est pas le point. Mais il se trouve que le roman est parti d'abord de cette partie-là, de ce récit-là, parce que 2 ans auparavant, j'avais aidé à l'établissement des mémoires de mon grand-père, qui a vécu une grande partie de ce que je raconte, en fait. Okay. Et que j'ai vraiment romancé, parce que je n'étais pas capable de frontalement raconter l'histoire de mon grand-père, mais j'avais eu entre mes mains le récit qu'il avait fait. Alors, il venait d'une famille de 22 enfants au départ. Il s'était retrouvé dans la seule voie possible, c'était la voie militaire, dans laquelle il a fait une carrière tant bien que mal. Il avait lui-même ses propres failles et ses propres et s'est retrouvé à faire la guerre en Indochine, dans la guerre coloniale française. Et nous, on avait été quand même très imprégnés pendant très longtemps de ces récits oraux de ce qu'il avait vécu et dans lequel il était revenu vraiment traumatisé, profondément traumatisé. Comme si c'était plus possible pour lui de vivre une vie quotidienne. Il y a eu un avant et un après. C'est comme l'agmatique pour nous, il y a eu un avant et un après la guerre d'Indochine dans notre famille. En lisant le récit qui a été donc dicté à mon oncle, c'était vraiment toute une aventure. J'étais en face à des éclats comme ça d'anecdotes, je sais pas comment dire, d'événements d'une profondeur humaine, de souffrance, qui appelle justement à se poser la question de comment on résiste à ça, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à résister? Il raconte, par exemple, moi, il m'a raconté, puis le roman s'arrête au moment où finalement mon grand-père a continué, lui, en fait, quand il a été pris par le Viet Cong, hein, à l'époque. Donc, il raconte comment il s'en est tiré. Après, je parle de mon grand-père ici, dans des camps dans lesquels on les affamait complètement. Donc, pour pouvoir survivre à leur ration, il faisait macérer à l'intérieur de sous leurs aisselles ou sous leurs genoux pour avoir un peu plus de vitamines. Enfin, bon, quand j'ai appris ça, c'était fou. Il a perdu 50 kilos. Et le dernier jour, au moment de l'ouverture des camps, il était sur son grabat en train de dire « Mais pourquoi je continue à vivre, en fait ?» Pourquoi je continue à vivre ?» Et il a dû sa survie à un hasard, mais absolu. Et il n'y a que des hasards absolus qui font qu'il a survécu. Et ça a rendu sa résistance bancale, en fait. Il ne s'est pas dit « c'est mon héroïsme ». D'ailleurs, il détestait le terme de héros, etc. Il parlait tout le temps de hasard, du fait qu'il avait survécu de cette manière-là. Et mon personnage est forcément tributaire de cette histoire-là, de ce moment de résistance, du moment où, pardon, mon grand-père parle de la première fois qu'il a eu peur, vraiment peur, et comment est-ce qu'on passe à travers ça, parce qu'il faut continuer quand même. Comment est-ce qu'on passe à travers la torture? Comment est-ce qu'on passe à travers la faim profonde? Comment est-ce qu'on traverse la période où on croit qu'on va mourir? On sait qu'on va mourir, où c'est une évidence, on est déjà presque mort. Et ça, je voulais que mon personnage l'ait. Et du coup, j'avais vraiment quand même... Alors, mon grand-père est décédé il y a presque 10 ans maintenant, donc il n'a pas pu lire le livre, etc. Mais j'ai pu quand même avoir cet arrière-plan historique très, très, à la fois très subjectif, la manière dont il avait vécu, et très historique, quoi. C'est-à-dire vraiment comment ça s'est passé, les batailles, comment ça s'est passé, les lieux eux-mêmes. J'avais vraiment cette idée de rendre hommage quand même, d'une certaine manière, à une forme de résistance, puisqu'on est là pour ça. C'est-à-dire, quand on est passé de l'au-delà, qu'est-ce qui fait qu'on tient encore? Qu'est-ce qu'on fait qui tient encore? La résistance humaine, jusqu'où ça va, quoi? Une espèce de pulsion de vie incroyable. Ouais, alors, en plus, on a toutes les variantes que je n'ai pas utilisées dans mon roman, mais par exemple, quand il a été pris, il sait que... mon grand-père dit qu'une part de haine l'a fait tenir pendant un bon moment. C'est-à-dire que c'est juste la haine qui lui a fait tenir. Il faut quand même... Il faut en arriver là, c'est une animalité, en fait. Hein.
Et je trouvais que c'était intéressant de voir dans les deux romans, finalement, ces deux personnages cheminer, parce qu'il y a un cheminement complètement parallèle, comme s'ils étaient retenus par un fil, même très très lointain, parce qu'elle est en France, dans les Landes, dans la forêt des Landes, et lui, il est dans la forêt vraiment dans les environs de Dien Bien Phu, puisque voilà. Comment est-ce qu'on chemine vers une vérité, quoi, finalement, vers quelque chose qui va nous apaiser, quelque chose qui va faire qu'on va tenir encore. Et elle s'en sort mieux que lui. Ouais. Elle s'en sort beaucoup mieux que lui. Mais parce qu'elle ne soupçonnait pas la violence qu'elle avait en elle aussi. Parce qu'elle va répondre à la violence par la violence. Ouais, cette force-là qu'elle avait. Puis oui, oui, oui. Alors c'est sûr qu'il y a un aspect aussi peut-être, puis je ne veux pas caricaturer aussi les enjeux, hein, mais il y a quand même un côté homme-femme. Hein. C'est-à-dire, il y a les lois du jour, les lois de la guerre, et les lois de la nuit, les lois de la sorcellerie. Enfin, ouais. Et je trouvais que c'était intéressant de les mettre en... Ce qui est resté aux femmes, c'est les lois clandestines, les lois de la domesticité, de la maison, de la sorcellerie, de ce qu'on fait pour résister finalement à un environnement hostile. Et puis les lois de la guerre, ben, c'est celles des hommes, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais oui, c'était ça. Oui, c'est vrai que les personnages sont des résistants. Oui. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Par rapport à la littérature, dernier acte de résistance, peut-être au dernier niveau, le lecteur. Est-ce que pour vous, choisir de lire certains livres, les vôtres ou d'autres, est-ce que ça pourrait être un acte de résistance? Ben oui. Je ne sais pas si du tout si on va avoir la même réponse. Je vais faire ça vite. Mais moi, je suis professeure aussi, hein, comme toi. Et tous les jours, j'ai l'impression de résister. Tous les jours, j'ai l'impression de transmettre quelque chose dont on veut ou dont on ne veut pas. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. Et je suis prof dans le système français. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Puis c'est pour ça que je ne veux pas non plus ennuyer tout le monde avec ça. Mais nous, on porte des textes qui sont des textes du patrimoine, vraiment. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis prof. Ça fait 20 ans que je passe mon temps à faire du Rabelais, du Yourcenar, enfin des textes que les élèves n'auraient jamais tenus en main. Et il y a une exigence de la lecture et d'ouvrir une vie intérieure. En fait, on parlait des policiers qui ne lisaient pas, etc., et que ce serait très dommage une société où les policiers ne liraient pas. Mais c'est toute la dimension d'avoir une vie intérieure ou pas, quoi. D'avoir le choix ou pas. D'avoir une illumination ou pas avec quelque chose qui nous appartient en propre, qui ne vient pas de l'extérieur. Et les livres, c'est ça. C'est entasser quelque chose qui va être une lumière pour nous. Et ça, avec les étudiants, bah, c'est ce qu'on fait tous les jours, en fait. C'est ce qu'on essaye de faire à bout de bras, avec des échecs cuisants, avec des réussites, des fois, quand ils ont envie de lire du Balzac. Je sais bien, c'est ancien, ouais. Balzac, etc. Mais c'est tellement génial. Pourquoi ils en seraient privés, en fait? Pourquoi ils n'auraient pas cette lumière qui s'allumerait pour eux? Puisque nous... Ben, je ne sais pas comment pourquoi vous, mais les livres, c'est des amis, c'est des gens, c'est des vraies personnes, c'est des gens. Les livres sont des gens, d'accord. Ben ça oui. Va très mal, mais ça va très mal, je m'emporte. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient nourrir mon choix, ma liberté. Même quand tout va mal, il y a quand même quelqu'un qui vient me dire quelque chose que j'ai besoin d'entendre. Pour moi, le livre, c'est absolument le contraire du réseau social. C'est-à-dire que, premièrement, c'est quelque chose qui interpelle non seulement ta relation à toi-même, mais à ta relation à l'autre et qui développe ton empathie. Parce que, par définition, tu es obligé de te mettre, bon, dans le roman ou dans la voix poétique ou dans l'essai, même si tu n'es pas d'accord avec une réflexion, il faut que tu te mettes à la place de l'autre. Et ça, c'est pour ça que c'est si important d'avoir de la lecture et de développer la lecture au Québec, parce que de la même façon, bien, au Québec, mais partout dans le monde, mais si je restreins au territoire québécois, de la même façon qu'on dit tellement en ce moment, on le chante sur tous les tons, que les réseaux sociaux participent au délitement de la vie, du vivre ensemble et de la vie en société. Le livre, lui, c'est exactement, premièrement, il est fait de temps, le livre. De temps d'écriture, de temps d'édition,
de temps de réécriture, de temps de lecture et de relecture. Alors, à mon avis, c'est pour ça que le livre est un objet de résistance. Umberto disait, Umberto Eco, moi je l'appelle Umberto, il me le permet. Non, c'est ça, Umberto Eco disait, c'est comme la petite cuillère, le livre, espérez-vous pas de vous débarrasser de cet objet absolument parfait. Bien, au-delà du fétichisme de l'objet, moi, peu importe qu'il soit numérique ou quoi que ce soit, c'est ça la résistance du livre, c'est un rapport au temps qui nous permet de développer notre rapport empathique au monde. Ah, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord. Et je pense, alors sur les réseaux sociaux, je suis peut-être moins virulente, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, c'est ce qui vient de l'intérieur, le livre vient de l'intérieur, il vient vraiment nourrir quelque chose. Et c'est vrai que tout ce qui vient de l'extérieur, qui est une influence extérieure, surtout pour les plus jeunes, ça devient plus compliqué après de reconstruire quelque chose qui va être comme une chambre à soi à l'intérieur, quoi. Parce que la chambre à soi dont parle Virginia Woolf, ce n'est pas vraiment seulement une chambre. Ça a été une chambre parce qu'on avait besoin de chambres, nous les femmes, pour écrire. Mais c'est aussi une chambre intérieure dont on a tous besoin, quoi. Voilà. C'est aussi, quand on fait de la littérature comme ça, quand on est prof, pour le lecteur, c'est aussi trouver ce qui résiste à la dent du temps. En fait, pour reprendre la citation de Nietzsche que j'aime beaucoup, la bonne sentence résiste à la dent du temps, quoi. Qu'est-ce qui a résisté à la dent du temps? Qu'est-ce qui nous dépasse? Qu'est-ce qui est moins dans l'instantané? Qu'est-ce qui entre dans une autre temporalité? Et on a tous besoin de se plonger dans ce fleuve-là, quoi. On a tous besoin d'être confrontés à quelque chose qui a résisté, justement, pour finir. Voilà. Patrice. C'est rare que je ne sais pas quoi dire, mais... ben, moi aussi, je suis prof, fait que c'est sûr que ce que tu disais à propos de... Moi, je me souviens à un moment donné qu'une prof qui a pris sa retraite depuis longtemps maintenant, c'est pas super ce que je vais dire, mais qui dit, il y a peut-être une quinzaine d'années, « Ah, les étudiants du collégial, aujourd'hui, on ne peut plus leur faire lire Mme Bovary. » Et moi, je leur fais lire Mme Bovary, je leur fais lire Jacques le Fataliste aussi, depuis plus de 20 ans, puis ça marche encore. Et je résiste beaucoup à mes collègues du département qui, tu sais, un exemple plate que je vais donner, puis j'ai rien contre ce texte-là, mais j'ai une collègue qui faisait lire Le Petit Prince à ses étudiants en deuxième session de cégep l'année dernière. Je suis sûr qu'elle leur donnait un bon cours, tu sais. Mais là, tu sais, Le Petit Prince à 17 ans, peut-être, en tout cas, je suis comme pas sûr. Fait que des fois, on se fait dire, ma blonde fait la même job que moi dans le même département que moi, puis on se fait dire, ah ouais, t'es wild de donner tel truc. Puis nous autres, on est comme, mais voyons donc, tu sais. Mais il y a quelque chose, hein, de je pense, justement, là, même chez des professeurs de littérature, tu sais, bon, évidemment, qui pensent au collégial, qui pensent à la réussite de leurs étudiants, puis qui se disent, bien là, si je leur fais lire Mme Bovary, peut-être qu'ils vont avoir plus de mal à comprendre, puis ils vont moins réussir mon cours. Je comprends le raisonnement. Mais il y a quand même cette espèce d'idée, même chez des professionnels, de dire, ben là, il faut que la lecture, ça soit facile, que ça soit convivial, que ça soit amusant, que ça soit, hein, bon. Oui, que ce soit, exactement. Que ça soit instantané. Je répète ce que tu as dit pour l'enregistrement. Et donc, moi, je résiste contre ça. Moi, je pense qu'il faut travailler un peu. Je dis souvent à mes étudiants que c'est un peu comme faire du ski alpin. La première fois, on se pète la gueule dans la débutante, mais après quelques années, ben on s'emmerde si on n'est pas dans la super expert. Fait que moi, je vais vers l'intermédiaire expert avec eux. Puis là, ben depuis quelques temps, moi, je me suis comme mis à la philo un peu, puis je trouve ça vraiment très, très, très difficile, mais j'aime bien ça. Ça fait du bien. Là, j'en suis un peu à résister même à la littérature. Super intéressant, d'autant plus qu'on sait que depuis plusieurs années, le ministère de l'Éducation veut réduire les cours de philo, veut réduire le temps de... Inquiète-toi pas, ça va arriver. Ouais, c'est bien. Est-ce que des gens dans la salle avaient des questions pour quelqu'un? Ils mordent, mais sont loin, ça va. S'il n'y avait pas d'autres questions, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous auriez aimé dire?
Non, oui. Merci, Héliotrope. Merci, Héliotrope, et bonne fête, Héliotrope. 15 ans, c'est merveilleux d'avoir un éditeur qui est un ado. Alors, bravo et longue vie à cet ado résistant. Eh bien, merci de votre présence et bonne fin de soirée.